Thank you. Salut les amis du Ciné-Club euh, Nouvelle vidéo, la première du mois de février. Comme à notre habitude, on commence toujours par les commandes du mois. Salut Andrés Bonjour tout le monde, bonjour Joachim Alors, euh, les commandes du mois, bah, euh, bah, les mois se suivent et se ressemblent. C'est toujours euh, aussi... Euh, chargé Aussi chargé En tout cas, je, Mais, vois, je vois la feuille, elle est remplie. Hein. Non, ah bah, justement, là, ça commence déjà bien. Andrés, ce n'est pas la feuille, c'est les feuilles. Ah. Plus ce qu'il y a ici. Mais bon... Euh, oh bon. On va commencer. Ouais, C'est vrai que le mois de février... Euh était à moi euh, en grosse majorité pour moi euh, assez chargé mais euh, niveau sortie on peut pas dire qu'il y a le, non, le, le gros non, titre tant non, attendu non, non. donc c'était ah, plus si quand même tu je sais pas si, si, si c'est le cas mais Titanic c'est pourquoi non non ça, ça c'est au donc cinéma c'est cinéma mais mais, okay. mais, mais, mais ça, sort... ça sortira euh, je calcule trois mois plus tard euh, je sais pas peut-être euh, quelque genre, chose genre, quelque, genre, quelque genre, chose dans le genre okay. donc euh, voilà donc euh, il y a pas vraiment de tout comme d'habitude, il y a très peu de 4K, très peu de nouveautés, euh, beaucoup 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 de Blu-ray, de, Blu de rééditions et même euh, d'occases, donc voilà, euh, les, les commandes du mois, euh, ça veut dire ce que ça veut dire, hein, ce, ce n'est pas nécessairement que des, 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 des nouveautés qui viennent de sortir, c'est euh, des, des DVD qu'on trouve de temps en temps euh, euh, à tel ou tel endroit, euh, des belles petites occases, et vous verrez dans cette liste, il y en a quelques-uns. On se lance, Andrés, on, on va, commence? On y va. Bon. Ben voilà, le premier euh, est un film que euh, je viens de, de découvrir euh, le week-end passé. Mm -hmm. Donc, je pense qu'il est ici. Voilà. La vie des autres. Donc, euh, un film réalisé en 2006. Alors, euh, je me dois de lire le nom parce ah, que. Ouais, parce que oh. il est spécial, ce ah, nom, ouais. hein. Donc, voilà. Euh, Florian. Enkel van Donnersmark. C'est belge ou. <rire> Presque, <laughs> c'est allemand. Alpha. Donc euh, c'est entre autres le réalisateur du film Doberman en 1998-98. Et, euh, et donc voilà un film euh, d'espionnage euh, sous fond euh, de guerre froide euh, dans. Dans le, le, le Berlin, de, je pense que c'est à, à Berlin, mais non, j'en suis pas certain. Mais en tout cas, euh, en Oui, RTL. Berlin, Berlin, c'est ça, est. dans le dans le Berlin Est, donc euh, en République démocratique d'Allemagne en pleine guerre froide. Donc, superbe film. Franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est une nouveauté alors C'est une, c'est un film qui, est, qui date de 2006, mais qui a été réédité euh, il y a pas très longtemps. Euh, en Blu-ray, j'étais passé à côté. Je me demande même s'il a pas été, euh, s'il n'est pas disponible déjà depuis le mois de, de décembre, janvier. Okay, bah, Mais bon, c'est en ouais, lisant tu la... Vu maintenant, tu la critique euh, dans notre magazine à tous, hein, les, les années laser pour les spécialistes, et, euh, qui t'ont recommandé, qui ont recommandé le film. Et, okay. et franchement, j'ai été très agréablement surpris. Et, et à ce que je vois, c'est Blu-ray DVD et un petit livret. Okay. Un petit livret, ouais. Euh, c'est peut-être. Ah. Euh, L'occasion, mais vraiment, c'est un, un, un tout petit. Ah, à l'intérieur, ok. Ouais, c'est vraiment. Euh, on va ah, vous ouais, montrer, okay. ça ne vaut pas vraiment la peine d'en faire. ah euh, une... ouais, non, non. Moi, je croyais, moi, je croyais un livre à le tu vois. Ouais. Euh... Et, et déjà tu me le dis, euh, ouais, ouais. Quand, même, quand même en français. C ouais, non. Ok. Voilà, pas c'est pas la, la, okay. la belle édition collector, <laughs> mais euh, c'est quand même un. Le film en vol des tours, quoi. Ouais, c'est un beau film okay, okay. d'espionnage. Une, une famille qui se fait. Euh... Littéralement euh, sur écoute, sur écoute, qui est placé sur écoute euh, par euh, des, des agents spéciaux de, de la RDA à l'époque euh, vachement bien foutu et, va. et la fin du film. Euh, à vous de la, dé à nous de la découvrir. À vous de, de la découvrir. Pas... Mais ça vaut vraiment la peine de regarder jusqu'au bout et je pense même, euh, je pense même, un euh, il me semble que c'est même basé sur un un fait réel, donc euh, mm. euh, je vous le conseille vivement. Okay. Le deuxième, ben, euh, vous, le, vous le connaissez tous, hein, euh, de et avec euh, Clint Eastwood, Gran Torino. Ben voilà, hein, c'est simplement une occasion, je suis tombé dessus. Ben, tu reconnaîtras Andrés, mmh. 9 euros. Ah ouais. Okay. Euh, euh, DVD Blu-ray, bah oui, ouais, ouais, fond, à fond, à fond. fond, fond. L'histoire, vous la connaissez tous. hein. Euh, et, mais euh, le format, justement Le format est, est génial. Et, et super, euh, et, en, et... en premium euh, collection. J'en ouais. ai quelques-uns. Ici, j'en vois là, pour vous donner une petite idée, il était une fois en Amérique. La ligne verte, euh, l'étrange histoire de Benjamin Button, euh, 3, 300. Euh, ouais, il y, y en a un petit paquet, mais bon. Autant on emporte oui, le vent. Et, même... et, bon, ben, et c'est toujours la même chose. Hein. On peut montrer. Uh -huh. euh, c'est toujours avec euh, ce cover euh, plastique euh, ouais. transparent. Et alors, vous avez toujours un. J'ai envie de dire un digibook hein, Les deux galettes. Euh, le Blu-ray plus le DVD. Et c'est chaque fois euh, documenté par un petit livre euh, qui vient euh, accompagner, carrément fixé dans le. Dans l'étui. Dans l'étui, dans, dans, dans le. Mm. Dans le digipack, je dirais, vachement bien. Franchement, vachement bien. C'est une, une belle co... ouais, c'est une, une, belle... belle... une belle collection qu ouais. ont fait qui remette bien en valeur certains titres. Mmh. Donc, euh, j'ai toujours été euh, attiré de temps en temps quand je tombe sur une occasion d'un titre que je ne possède pas encore. C'était le cas ici avec Grand Torino, 9 euros sur euh, sur Amazon. Je pense qu'avec la livraison où il était en en premium. Euh, ouais, je me demande si j'ai même pas payé la, la livraison. Ouais, donc, non, euh, non, non, en prime. Va... Je me demande s'il était même pas en prime. Donc franchement, 9 euros pour euh, ce film-là. Hein, vous connaissez tous. Hein, de et avec Eastwood. Ouais. De 40 pages. Mais enfin, 40 pages quand même de 40 de pages. C'est pas mal. C'est génial. Et le et prix surtout. Ouais. Euh, tu as, as bien sauté sur le ouais, casque. Ouais, quand, ouais. quand je tombe sur un titre que je ne possède pas encore. C'est génial. Donc voilà, euh, je me lance. Alors là, le troisième film, moi, personnellement, je l'ai précommandé. Je peux encore l'annuler. Euh, mais je, je pense que, que je... Déjà le titre, Andrés, Jack Mimoun et les secrets <laughs> de Valverde. Bon, bah, euh, ah, okay. bah bon. Écoute-moi. Une parodie euh, de notre grand Indiana Jones. <laughs> euh, mais... Il y a une explication à tout ça. Hein. Voilà. Il y a une explication à tout ça et cette explication euh, s'appelle François Daviens. Ben voilà, euh, je suis né en Belgique, j'ai grandi en Belgique. Euh, j'adore, j'adore. Euh, tout ce qu'il fait. Ouais, on, on le connaît depuis. Euh, <laughs> moi, de, moi depuis que je suis tout petit. Euh, ouais. voilà. Les caméras cachées. Voilà et dit connaît qu'à chaque fois. Euh, et, 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 mon et mon quête. Et mon quête. Dernière fois, oui. Il y a, y a pas si longtemps ouais. que ça, mon quête qui a qui a très très bien été reçue. Ici, c'est vrai que quand, quand je parle euh, de lui, euh, tout le monde. Rigole, dans notre entourage, <laughs> ouais. j'ai pas encore encouru une personne. Voilà, oh, non, moi je le trouve trop lourd. Oh, il est chiant, non non, 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 tout le monde. Sait il marrant. fait l'unanimité ici ouais, en Belgique. En tout alors, cas, oui, voilà. Alors, je m'attends pas à grand-chose du film. Je m'attends juste à le voir et moi juste de l'entendre parler. <laughs> c'est... <laughs> Donc voilà quoi. Le prix en plus est abordable. Il n'est prévu qu'en blu-ray. Donc euh, mi-février je pense mm -hmm. et donc voilà quoi je j'hésite en... je... ouais, ouais, encore j'hésite euh, encore un peu ça risque mais bon je pense que je vais quand même me le, me le garder parce que bon bah voilà euh... tu te marres bien c'est oui. ouais tu passes une bonne après-midi et, euh... et, et, et puis je vais te dire un truc hein aussi ça... il <laughs> euh, faut que ça puisse paraître il me semble il me semble que j'ai carrément tout ce qu'il a fait. Hein. Ah bon Des caméras cachées jusqu'à un film même où il joue le rôle, enfin il essaye de jouer le rôle, euh, style dramatique Léo Mur, je me souviens de ce film, tu peux laisser d'ailleurs une photo, vraiment pas mal, un film euh, très prenant, il n'y a rien à faire, quoi moi il me fait rire. quoi donc euh, Ici donc il est dans son rôle, hein. il essaye, euh, tu t'imagines, hein, en pleine jungle. Oh, je, je me rappelle la bande-annonce en donc, euh, normalement, je le prendrai. Je pense que je, je ne vais pas revenir là-dessus. Dès que j'ai vu la bande-annonce, moi, je, je saute. Et bon, ben, je pense que je vais rester sur, euh, sur ma décision. Et bon, ben, après, si je suis déçu, ben, ça ne sera pas la première fois, quoi. Mais pas avec lui. Très rarement. Moi, lui. Quasiment euh... jamais, même. Le prochain film c'est quand même beaucoup plus sérieux. Hein. Le secret euh, de, de la pyramide, 1985. Hein. Un film de Barry. Euh, levinson euh, produit par euh, steven spielberg superbe film en quelque sorte euh, euh, je ne sais pas si toi, toi, tu, tu es passé à côté tu je, as je, je, ce je, film. Je, je sens que mais j'ai dû en le, me... voir, J le voir est il, ça. Il, il est passé beaucoup de fois à la télévision ça, ça, je euh, sais. ce n'est ni plus ni moins que la jeunesse quelque part de sherlock holmes quoi euh, ses, ses, ses premières euh, enquêtes, euh, okay, okay, okay. Ouais, donc euh, son, son on histoire. Dire, on pourrait dire la, la préquelle. Mais je pense que le, 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 le titre canadien, c'est justement la jeunesse de Sherlock Holmes ou quelque chose dans le genre. Okay, okay. Ouais, on le voit dans ses études à l'université. Bon, bah, voilà quoi. Okay. Ses premières enquêtes, c'est vachement bien foutu. C'était un film qui avait eu beaucoup de succès euh, à l'époque. Il nous ressort, euh, je pense. Euh, euh, ne pas me tromper le 1er février si je ne me trompe pas le 1er février enfin, ah, euh, si, si je me trompe André se laisse là je mets la, je mets la rectification. Mais, mais je pense que ouais. c'est imminent euh, et euh, ce film là vous le verrez euh, quand même euh, dans nos, nos collecteurs parce qu'il vient avec euh, un beau euh, steelbook et euh, malheureusement, ça la bonne nouvelle c'est qu'il vient avec un beau steelbook. La mauvaise nouvelle c'est que malheureusement ce n'est pas du 4K, c'est deux galettes. Du Blu-ray, DVD. Du Blu-ray et ouais. du DVD. Mais bon, pour moi, l'achat s'impose parce que bon, premièrement, c'est un grand film. Et puis deuxièmement, je ne l'avais pas en haute définition. Je l'avais pas en Blu-ray, je l'avais qu'en DVD. Donc... Euh, voilà, euh, je vous le conseille vivement, surtout pour les, les plus jeunes d'entre vous, les, les plus anciens, je sais, euh, j'ai déjà lu euh, sur le, le groupe il Facebook. Déjà, il y a déjà eu des, ouais, nos des a, likes ouais, tout, ouais ouais, enfin, ouais. ouais. Ceux, ceux de ma génération connaissent bien. Toi. Ouais, ils ont déjà bien précommandé. <laughs> pour la petite histoire, si vous êtes intéressés, euh, allez sur euh, la FNAC, parce que sur Amazon, euh, rupture, euh, rupture de stock. Donc, donc ça, quoi, comme ça, quoi Comme quoi il marche bien. Ça, ça, voilà, veut, donc, euh, euh, ça veut dire ce que ça veut voilà, dire. Voilà, euh, c'est ça. Quand il y en a plus, ça veut dire que... Donc, il faut le prendre. Voilà. <laughs> euh, le film d'après, bah celui-là, tu le connais très bien, Andrés. Cœur de dragon. Ouais, tu m'en as parlé. Euh, génial. Euh, ouais. Là aussi, euh, il sort le 14 février, mais toujours en Blu-ray, pas de 4K. Bah, Toujours écoute. pas de, de 4 K, mais bon, pour moi, là aussi, hein, l'achat euh, est indispensable mmh. parce que c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Qu'est-ce que tu en penses, toi puis... Non, j ai, j ai, que le un, c'est ce que j'allais dire. Bon, parce que, que, voilà, ouais. c'est petite parenthèse tu as vu des les autres, des, toi, puristes, ouais. des puristes, des puristes, ouais. des gens qui, qui, qui ont aimé euh, Cœur de dragon. Justement, j'ai regardé le 2 et le 3. Je, ah, tu les as, as vus quand même. Moi, j'ai euh, jamais vus. Mais, vu. mais, mais c est, c est, déjà, si je me si, alors, on va être clair, hein, je suis pas un expert non plus dans. Mmh mais je crois que c'est plus c'est plus le même acteur hein, dans le 2 le 3. Ah ça plus Dennis Quaid. Hein, voilà, c'est ça, c'est ça. Il me semble bien que ait... et ouais. c'est pour ça que j'ai détesté. en et, fait. Et, et je me demande même Il y a si... même un 5, je calcule 5. C'est ce que j'allais dire. Je pense qu'il y en a oui. quand même carrément même 5. Je pense. écoutez, vous avez ici le parce que je, je suis passé enfin la, la, il y a deux semaines ou la semaine passée, je suis allé à la Fnac justement mm. et je suis tombé sur le coffret où il y avait tous les films. Le coffret bleu. Ouais, voilà. Ben bah, a... bah, vous avez vous avez l'image mais je l'ai annulé Voilà, moi non quand j'ai vu ça, je dis non, mais moi, dans ma tête, je préfère le 1 et c'est tout, quoi. Surtout, comme je t'ai dit, je pense que maintenant, à, me, à rectifier, peut-être mmh. que je me trompe, mais l'acteur a changé après. Le 1, ouais, après, euh... plus, euh, c'était plus le même. Donc, euh, moi, je, je dis non, je, je prendrai juste le 1 et c'est tout, quoi. Ouais. C'était un film qui avait eu beaucoup de succès. Moi, j'avais été le voir euh, au cinéma, le film de Rob et, Cohen, superbe. Euh... Et, et je pense, et maintenant, je crois que c'est l'un des premiers films qui utilisait une, une image de synthèse par rapport au dragon, je parle, hein. Je sais pas, mais... L'un des premiers, en tout cas, c'est... Mais, mais, mais j'allais j'allais en venir ah, à ce fameux fait, dragon ah oui, qui voilà. s'appelle d'ailleurs Draco. Mm -hmm. Et qui avait euh, la seule critique que j'avais entendue dans ce film-là, qui pour moi n'en était pas une, mm -hmm. c'était euh, le fameux doublage en français. La voix. ouais, ouais. C'était doublé en français euh, par euh, Philippe Noiret et euh, la voix originale était quand même celle de Sir Sean Comrie, ah. donc euh, ah. Euh, ah. Là, là, là ça fait quand même beaucoup, mais le film en lui-même était assez sympa. Ouais, et... non, super chouette, super, ouais. pour moi, moi que j'ai découvert encore une fois hein, sur AB3, la chaîne, où euh, il passait des, des, non, même plus que le je pense, euh, mmh. et je l'ai regardé plusieurs fois, tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'était... Euh... C'était ouais, un chouette film. Que, et, que... Et, et puis la musique était exceptionnelle aussi. Euh, franchement, une très. Le scénario, très même les acteurs. Enfin, les acteurs. Je parle ouais, l'acteur ouais, en lui-même et, lui et, et Dis-toi dis, dis bien un truc hein, pour qu'ils en aient fait quatre. Cinq ou cinq. Ouais, donc, euh, imagine <laughs> si on se toi, pas c est, c est, Ça avait ça avait super bien marché. <laughs> moi, je l'avais vu au cinéma. Je l'avais ah, découvert. Que... Moi, c'est ce que C'est ce que tu m'as. Enfin, moi, j'ai été étonné quand tu m'as dit il est même sorti au cinéma. j'étais le voir au cinéma avec ma femme à l'époque et je me je me souviens qu'on était sorti de là assez, euh, bah, ouais, mmh. c'est vrai qu'on était aussi euh, beaucoup plus jeunes, euh, mais bon, euh, ce, ce dragon nous avait euh, était vachement bien fait, mmh. le, le film était même euh, euh, assez mouvant vers la fin, tout ça, franchement un, un chouette film euh, euh, que je vous conseille et qui ressort donc le 14 février, et euh, uniquement et exclusivement toujours en blu-ray. Donc voilà, le prochain, euh, Andrés euh, et chers amis, euh, vous le connaissez tous, hein, Rocky, ben voilà, je suis tombé euh, sur ces fameuses éditions DigiBook, euh, les fameuses éditions FGM, euh, hein, il y a quelques titres, hein, notamment, regardez maintenant avec Andrés, il y a Platoon qui est sorti dans le genre, il y a Patton. Il y en a quelques-uns qui... Mmh. Et bon là je suis tombé euh, sur euh, Rocky. Pourquoi euh, euh, Rocky 1 Je vais revenir tout de suite sur la saga Rocky. Mais pourquoi Parce que bon bah c'est quand même le film qui a remporté trois Oscars. C'est le premier de la saga. Et puis je pense que ces, ces éditions rendent euh, hommage euh, au beau film à travers donc... Euh, une belle présentation extérieure. Hein, euh, et à l'intérieur, ben, comme pour le reste, c'est des digibooks. Il hein, y a de, de, un petit livre qui vient un peu à l'image de l'édition qu'on vient de vous montrer, les, les premiums. Mais bon, là c'est plus petit. Mais ça, c'est sympa c'est toujours c'est tout, tout aussi beau. Hein, c'est tout aussi beau. Et, euh, et donc voilà, euh, à l'intérieur le Blu-ray plus hein. ouais, le Blu plus euh, le DVD. Euh, question de rendre hommage à, au premier film de la saga qui a été quand même le plus euh, euh, ouais le, le, celui qui a fait qui tout a, décoller, non, hein. Euh, trois Oscars, une musique de Bill Conti euh, exceptionnelle. Voilà, ouais, très et, très belle édition. Et, hein. et, et, et ce qui est exceptionnel aussi, toujours sur Amazon, c'est son prix 6 euros. Je dis euh, Allez, non, et, non, et, 6, 6 euros, mais là j'ai quand même dû payer des frais d'envoi, donc euh, il est sorti juste en dessous de 10 quoi. Bon. Euh, euh, Comment on dit as fait une bonne affaire, hein, super. J'ai en fait bleu. une bonne affaire et bon bah voilà, c'est le premier Rocky, c'est mm. euh, surtout euh, le, comme je te dis les images dedans, elles sont super belles C'est chouette de, de démarquer ce film du coffret ouais, que j'ai ouais. pour le moment en DVD et sur Rocky attention, voilà. ça c'est la grosse nouvelle en tout cas pour euh, tous les fans de Balboa. Euh, de Stallone, ouais. ça <laughs> je vous disais que celui-ci est en euh Pour moi, c'est déjà une nouveauté parce que j'ai les Rocky uniquement et exclusivement en DVD, mm. hein? euh, sauf peut-être les derniers. là Les derniers qu'il avait fait. Je ça c'est Non, non, mais vrai. même avant, je pense que Balboa, je l'avais quand même le, 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 le sixième ou le septième. Le sixième, je pense que je l'avais euh, Balboa. Enfin, bref, sachez que toute la saga Rocky, mais que je ne dise pas de bêtises oui. jusqu'au quatre. Le 5 pas, je pense que je, je sais, sais pas. Peut-être que quand ils va faire comme Indiana Jones, au fur et à mesure. C'est possible. Heureux. Bon, il bah, res... voilà, vous avez l'image ici. Ils ressortent tous en En Steelbook, en Steelbook Blu-ray plus Blu-ray mmh. 4K ouais. Ultra HD. Euh, mmh. Le ah, seul oui. petit bémol, c'est que le premier qui était prévu pour février et il me semble, en tout cas, il me semble que j'ai reçu. Enfin, je, je l'ai lu, mais normalement, je pense qu'il est repoussé au mois de mars. Ouais. Et donc, vous devriez en avoir deux, Rocky 1 et Rocky 2 au mois de mars et Rocky 3 et Rocky 4 à la même date en avril. Euh, attention, attention, il me semble aussi, et ça c'est très important, mmh. si euh, vous avez les mêmes infos que moi, il me semble que... Pour l'épisode 4, il y aurait la version enfin, director's cut, ouais, euh, celle que... qui est passée au cinéma et qu'on voilà. euh, qu qu n'a toujours pas vue. A... Ben. Non, non, on l'a raté. Bon la parenthèse raté. parce que non, a... le, on l'a pas ratée. Covid. Raté. Le le COVID, COVID hein. ouais, voilà, on l'a ratée à <laughs> cause du covid. Je ouais. euh, ça, je sais pas si ça, ça, ça s'est vraiment fait comme on dit, mmh. mais on entendait beaucoup et beaucoup de, 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 de teasers mmh. sur internet et tout. Moi, mmh. était... bon, en tout cas, j'étais à fond, quoi. Ouais. Et euh, bon. On est passé, on est passé par dessus puisque à cause du Covid, euh, voilà quoi. Ouais. Mais s'il revient dans le dans la version Steelbook et qu'il est incorporé dedans, magnifique quoi. Magnifique, non, 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 ça surtout. serait génial, ça serait vraiment un peu Parce la surprise que... comme on a eu bah, avec oui. la version longue de King Kong. De King Kong ouais, on ne ouais. l'attendait pas et puis boum, voilà. J'espère au moins que. Donc toi il... tu vas tu vas tout tu fonces dans J'ai déjà j'ai des... déjà précommandé les quatre, les, les donc euh, okay. j'attends avec impatience. Euh... Les recevoir, c'est tout. Ouais. C euh... Vous avez ici les les enfin les visuels. On les ouais attend et bien sûr on les présente. Sur la chaîne, dès qu'on les a, comme on avait fait pour euh, les Indiana Jones. Ouais. Nouveau film, On the Line 2022, film encore et toujours en Blu-ray, toujours pas de 4K. Il est prévu pour le 15 février, film de Romual Boulanger. Et le truc, c'est quand même le retour de Mel Gibson. Allez, ouais. Donc, là, c'est pas, ouais. c'est pas du surjoué. Si, si, si je vous dis la vérité, je sais pas grand chose du film. J'ai juste vu le retour de Mel Gibson. Pour moi, ah, euh, c'est suffisant. Donc c'est un peu action, pas action. Ouais. C'est quoi Non, c'est plutôt. Il me semble ça, ça, ça ressemble plutôt à un thriller. Il me semble que. Ah. Voilà, je ne sais pas grand chose du film, juste que c'est euh, donc euh, le retour de Mel Gibson. Ça, je viens de le dire, mais que Mel Gibson serait un animateur radio très populaire. Un des plus populaires de sa génération en fin de carrière. Oui. Et, et lors d'une de ses émissions, de ses émissions, il aurait été confronté, il sera confronté en tout cas à une personne assez désagréable, assez vulgaire, même très vulgaire. Mm -hmm. euh, et puis bon bah la suite prendra des proportions d'harcèlement et bon bah un thriller, ça ressemble vachement à un thriller. Le petit problème qu'on a avec le film, c'est que les critiques ne sont pas très bonnes, mais bon. Bon, Mel Gibson, c'est Mel Gibson. À chaque fois, il y a une, yeah. une... une haine, on va dire entre guillemets, quoi. Mm -hmm. que moi, je comprends pas qu'elle n'est mm -hmm. pas... pas, significative pour moi, mm -hmm. parce qu'à chaque fois, quand il fait quelque chose, c'est du bon. Pour ouais. moi, pour moi mais maintenant, c'est ça, le le purement personnel. Le, mais bon, le, <laughs> le seul bémol euh, du film déjà, ouais. c'est que il semblerait que euh, Mel Gibson joue dans le film, bah, ouais, mais n'est pas le réalisateur. Bah, ah non, 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 non c'est Romuald ah, ouais, voilà, okay. Boulanger, donc là, c'est le petit, parce que. Euh, la dernière fois qu'on a vu ici ensemble un Mel Gibson, c'est « Tu point », ouais. qui était réalisé donc, par Mel Gibson, oh, là, et, 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 et qui, qui nous et, avait plu énormément. Et l'acteur qui joue euh, en date « Tu point hein, », c'est avec le... André Garfield, donc ouais. pour moi, c'était un très bon film, même ouais. si la critique euh, ouais. voilà, était là. Ouais. Toujours, toujours, il y a toujours quelque chose euh, ouais. à, à reprocher, mais bon, ça... Ouais. On fait abstraction on de ça. Donc voilà, le retour de Mel Gibson a, a une date, le 15 février, euh, et ça sera encore uniquement et exclusivement qu'en On continue euh, avec euh, une nouvelle réédition, La rivière sauvage. Je ne sais pas euh, si ça te dit. Tu m'avais déjà parlé un peu. Film de ouais. 1994, de Curtis euh, Hanson, avec euh, bien sûr euh, Meryl Streep, et euh, Kevin Bacon, euh, entre autres dans le, le casting, un film que j'ai vu euh, quand même pas mal de fois à l'époque. Je ne l'ai pas vu au cinéma. Euh, je vais même te dire la vérité. Euh, si en DVD, je pense que je l'ai quand même vu, mais je me souviens d'avoir la cassette vidéo de ce film. Okay. Et euh, bon, ben, je l'ai vu quelques fois. On, on, a, on appréciait vachement ce genre de film. Hein. C'est euh, en gros l'histoire Meryl Streep. Euh, qui est une euh, grande euh, amatrice, je ne sais pas si c'est comme ça que l'on appelle ce, ce sport. Hein, le... Euh, le raft, le rafting. Le rafting ouais, je pense que c'est comme ça. Quand même. Voilà, en, mal, en problème de couple, elle décide de partir euh, traverser de, des grands rapides oui, oui, comme, aux États-Unis les plus vous défoulés, défoulés <laughs> avec euh, avec sa famille. Okay. Euh, c'est sans compter euh, qu'elle tombera sur euh, deux gangsters en cavale, euh, dont dont un des deux euh, Kevin okay. Bacon. Okay. Donc euh, tu vois le genre un, un thriller euh, aventure, de très beaux paysages, très belles photos. Beaucoup d'action. Euh, vraiment, chouette film, je vous le conseille. Il sort euh, le 15 février en blu -ray. Moi, je me le suis précommandé. Donc, euh, à toi de voir. quoi mais, okay, ok. Franchement. Okay, vous avez le visuel ici. Euh... Ouais, euh, dernière chose que j'ajouterais, mais ça, c'est personnel. Euh, je n'avais jamais vu Meryl Streep aussi jolie. Okay, euh, okay. ouais, franchement, là, elle est vraiment très, très belle dans ce film-là. Euh, peut-être que bah, elle devait avoir à cette époque-là, je calcule euh, milieu de la quarantaine, ah. euh, très en beauté, euh peut-être pas aussi bien, pas aussi jolie que euh, lors d'un de ses premiers films que j'avais découvert, hein, Holocauste. Mais bon, si je parle de sa beauté, c'est justement parce que bon, bah, je profite euh, qu'on est dans le casting Meryl Streep pour, euh, pour te rappeler que. Euh, notre ami euh, Dino de Laurentiis ah, l'avait refusé euh, pour jouer le rôle de de Gwen, c'est ça dans, Je sais donc, on, je sais plus si, si c'est ça. Mais oui, je comprends ouais. ce que tu veux dire, qu'il qu la trouvé moche, ouais. Ouais. <laughs> qu'il la trouvé trop moche pour euh, son rôle de, de King Kong 1976. Franchement, on n'a pas les mêmes goûts, quoi. Euh, <laughs> euh... Peut-être qu'il voulait, euh, peut-être que, enfin, je sais pas si elle avait déjà un peu de notoriété ou pas à ce moment-là, elle. Ouais, quand même. Hein, ah ben voilà, peut-être ouais. qu'elle se dit... Euh, c'était pas son premier. Jessica film, Lange pourrait être beaucoup ouais. plus malléable. Ouais, C'est vrai que maintenant, euh... maintenant, <laughs> maintenant que, maintenant que maintenant que tu me parles de Jessica voilà. Lange, <laughs> tout comme ça. C'était parfait, c'était <laughs> parfait. Mais euh, Mais, mais, Streep, mais aurait fait, elle aurait fait un très bon rôle. Meryl aussi. Streep est une très belle femme oui. et une immense actrice. Une immense actrice. actrice. Ah. Ça, à euh, n'en pas douter. Nouveau oui. film. Un de plus pour le 22 février. Toujours en blu -ray. pas de 4K, et pourtant là, c'est une nouveauté. J'hésite, j'hésite aussi. Je voulais marquer dans la liste, mais bon, euh, euh, si je vous dis la vérité, euh, il est dans mon panier. J'ai pas encore cliqué sur rachat. Euh, achat. Euh, Ticket Paradise. Je m'attends pas à grand-chose. Juste hein, une euh, gentille comédie euh, romantique. Quand on voit le casting, ça, ne okay. ça peut donner que ça. Julia Qu Roberts que... et Georges Clooney. George Clooney. Bah oui, c'est ce que j'allais dire. Euh, mais j'ai vu la bande-annonce. Ouais. Ouais, c'est une comédie, mais c'est une comédie, euh, allez, comédie euh, Parfumé. romantique parfumée. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, tu, enfin. C'est ça, quoi. c'est ce qu'elle fait. Euh... C'est ce qu'elle. C'est ce, qu ce qu'il. C'est qu le... fait... ce, qu ce qui a ouais. fait euh, mmh. son succès, hein, mmh. entre parenthèses, à à, à jolie Roberts. Même si à côté de ça, il y a quand même eu d'autres films un peu plus. Hein. Ouais. Mais bon. Euh, voilà. Euh, c'est une nouveauté. Euh, ouais, si vous avez envie de faire plaisir à Madame, moi, je suis sûr que cette comédie devrait lui plaire. Ouais, ouais. Mais bon, euh, les critiques là aussi, euh, je vous dis, ça il aussi. est dans le panier. J'ai pas encore précommandé. Ça vole pas haut ou quoi Ouais, c'est bof, quoi. C'est bof, c'est okay. bof. Euh, si vous l'avez vu, euh, laissez-nous un petit commentaire. Ouais, euh, Dites-nous peut-être qu'on on, qu on, mais, on, on rate à, enfin, on passe à côté de quelque mais, chose, ouais, quoi. Ouais. Donc, dites-le-nous, quoi. Dites-le-nous. On... en bas. Et surtout, dites-le-moi parce que ça va me me décider ou me dissuader à le prendre, à, à, à le commander, quoi. Mm. Alors pour le prochain, André, c'est pour toi. C'est entièrement pour toi. En 4K Ultra HD Andress Halloween euh, End. Mm -hmm. Donc, ça, c'est ta commande à toi euh, personnelle. du moins. Ouais, -moi. Malheureusement, il arrivera euh, le 28 du mois. Quoi. Le 28 le février. Moment. Ça vient en steelbook En steelbook, euh, Blu-ray ouais. 4K. Ouais, donc, donc, ça, ce euh... sera un collector qu'on vous présentera mm -hmm. euh, pour le mois de mars. mars. Ouais. Et bon, en gros... Euh, c'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. <laughs> après, après combien d'épisodes Ouf, là... La... Mais en fait... Bah ouais, enfin voilà, c'est si si la, ter... bah oui, ça... ouais. oui, la fin, c'est la fin, c'est la fin, mais parce qu'en fait, il y, a, il y a une pelletée, tu sais très bien, une pelletée d'Halloween euh, avec Michael Myers, mais en fait, il faut compter, soi-disant qu'il y aurait différentes timelines, time quoi, différents scripts, différents. Mmh. Donc, celui-là. Cette version-là, c'est la version directe du premier film. Donc, il y a le premier film ouais. et les trois autres qu'ils ont suivis maintenant. Quoi. Ouais, ouais. Donc, euh, c'est l'histoire directe, comme on dit. Ouais, les ouais. autres qui sont sortis n'ont compte plus en, en, en soi, quoi, si tu veux être mm -hmm. plus précis. Mais oui, il y a normalement, si tu veux, cette collection-là entre guillemets, c'est quatre films. Quoi. Ouais. Donc, l'original et trois autres 2018, 2019 et celui de là 2022. Ok, bah ben, pour euh, les, les amateurs du genre. Ouais, voilà. Donc, monsieur euh, ici. Euh... Du Donc tu, ouais, tu l'as déjà précommandé. Ouais. Et ouais, je vois, ouais, le 20 ou le 28. Ouais. Hein. Donc ouais, on vous, on vous le présentera, n'en pas douter, euh, au mois de mars. L'autre film, on arrive presque au bout, les, les amis. Mais là, bon, euh, là aussi, euh, j'hésite. Mais bon, là, je pense aussi à nos projections euh, cinéma. Mmh. Belle et Sébastien, bah ouais, ça paraît euh, un peu, euh, non, ben, oh là, un peu gnang gnang comme ça. Mais, euh, mais non, pour moi, non, parce moi, que j'ai vu le un, hein, j'ai pas vu la suite malheureusement. Pour mais tu as vu la trilogie, le tout premier de, de... moi, j'ai vraiment le, adoré les, les, les trois. Non, j'ai vu que euh, le premier, euh, ouais, j'ai vu que euh, le premier, qui est très bon. Qui est pour moi, c'est le j'ai découvert un. En tout cas, c'est un, mmh. une adaptation mmh. visuelle et les paysages qui m'ont... Ouais, les paysages, c'est Magnifique, magnifique. Et et après, les, si tu, tu vois. Sous fond de deuxième guerre mondiale. Voilà, c'est ça. ça et, et, et si tu rajoutes après les acteurs, et ouais. aussi... Belle, comme on dit, euh, qui, qui porte bien son nom. Hein. Elle est magnifique. Elle est magnifique. <laughs> Mais euh, ici, euh, justement, <laughs> c'est un film qui vient après cette fameuse trilogie que ah je pense. Bah, alors, alors ça c'est génial. Ça s'appelle ouais. euh, euh, Belle et Sébastien, Nouvelle oui. génération. Les critiques là, contrairement au reste, sont assez assez belles. C'est le cas de dire. Et, euh, <laughs> et ben, je, je suis tenté. Euh, donc c'est une suite alors, direct ou Il me semble, il me semble que c'est enfin, ou, 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 ou alors on recommence ou, à nouveau. Ouais, on recommence à nouveau. Hein. C'est peut-être une nouvelle adaptation, hein. Ouais. Euh, mais j'ai vraiment envie de me laisser tenter. Euh, mmh, parce que faire... des... je te dis, le premier que j'ai vu, la première version mmh. qu'on parle, mmh. elle m'a bluffé, quoi. Donc, ouais, 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 moi, euh... j'ai ai beaucoup aimé, ouais, mmh. hein, moi aussi. Et, et donc j'ai vraiment envie de me laisser tenter et peut-être euh, d'en de, profiter pour faire une projection à à l'école. À l'école, donc euh, en faire profiter les mmh. familles aussi, ça. Ça donc, change un peu du, 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 du mmh. dessin animé, de l'animation et tout ce qu'il y avec. Il euh, y a même un bouquin qui est sorti, euh, j'ai vu euh, sur euh, adapté de ce film aussi. Donc euh, okay, okay. j'ai vraiment envie. Ça sera pour le 28 février, toujours en Blu-ray alors, euh, là, le prochain, c'est une belle histoire, euh, <laughs> jurassic park l'intégrale. on vous avait dit, hein, que, enfin, euh, je vous avais dit oh. que je ne plongerai pas. Euh, j'ai tenu parole, mais très difficilement. Hein, j'ai tenu parole très difficilement parce que figurez-vous que euh, l'édition intégrale euh, est sortie à un prix défiant toute concurrence sur amazon. Euh, j'en ai parlé à andrés. moi, j'étais vraiment très, très, très déçu. Euh, de ce qui des trois de, de ouais, de pas que la, la, fin. la fin moi les trois derniers épisodes ouais. de Jurassic Park ouais, Jurassic pas World ouais, okay, euh, c'était vraiment tout, pas tout, pour moi à part le 1, hein, tout, tout tout le reste est pas bon quoi. mais bon euh, Andrés lui Jurassic World c'est pas qu'il a adoré mais bon il ouais, euh, euh, y a fin. quelques trucs j'y ouais. écoute vas-y euh, fais le toi parce que bon ben, euh, c'est ton édition euh, collector c'est un peu l'édition ouais, collector je, aussi je, de je oui je t'avais parlé avant quand il y avait la précommande j'étais là waouh elle est trop bien, elle est trop bien et je voulais la prendre déjà. On en avait parlé, quoi. On avait même parlé lors du du la Croning Movie. Ouais. Et euh, en fait, après... Euh, tu te souviens encore du prix, là quoi Je crois, si, si je ne me trompe pas, elle était à 150, 149,99 Avec euh, la, la saga complète, vous imaginez, donc c'est 6 films quand même. Donc, hein. t t les 6 films en, en Blu-ray et, Blu et, Blu et en 4K. Et en, plus, en 4K, déjà là, le compte <laughs> est fait, parce que, figurez-vous que la statue, à ce moment-là, tu l'as eu gratuite, quoi, la petite statue. Ouais, ouais, ouais. Non, mais déjà 149,99 c'était le prix de base, donc ouais. nous, on l'a eu euh, moins cher, en fait. Ouais. Donc voilà. Euh, ouais. on a ouais. On a sauté dessus. Dit, écoute, Il m'a passé l'info. J'ai ouais. vu. Je dis Ouais, ouais, ouais allez, on y va. J'ai dit tout, bah, ce qui est à, tout ce qui est à moi et tout ce qui est à toi est aussi euh, à la chaîne. Euh, on va en profiter. On va en faire une belle édition collector. Et puis, bon, bah, euh, toi, de toute façon, tu. tu J'avais tu... pas. Donc, c'était le moment de sauter mmh. dessus et euh, vous aurez droit à une belle petite vidéo pour ce mois de coffret collector spécial coffret collector euh, spécial qui sortira donc euh, ici prochainement non mais... elle est déjà à la maison de... ouais, donc <laughs> très pro... très, prochain... très prochainement très prochainement sur ouais. euh, la chaîne et moi aussi je suis impatient de la voir parce que bon ben j'ai vu que des images et au prix où tu l'as payé t'es gagnant quoi c'est ça c'est ça, ça. Euh, 6 blu-ray plus 6 D4... ultra HD 4K ouais. euh, rien que toute ça toute la saga toute comme... la saga en fait ouais, C'est ouais. magnifique quoi t'as presque eu à euh, 20 euros Ouais ouais, ouais, ouais c'est ce que j'ai dit oui gagnant. Et puis voilà ouais. le, le dernier ben c'est un film que je viens de précommander enfin que je viens de commander le film est déjà en stock, il est en blu -ray. le film Fall, film qui est sorti en 2022. Donc euh, c'est un thriller de survie bah pour la petite histoire, deux alpinistes qui se lancent un défi euh, escaladé, donc euh, une tour de euh, une tour TV de communication. Okay. Donc tu vois euh, l'énorme tour en acier avec des échelles pour monter. Okay, okay. Euh, et euh, quelques photos de, ouais. de l'histoire. Donc euh, ouais, la pochette est assez euh, explicite. Et une fois en haut, malheureusement pour elle, paf, euh, l'échelle tombe, tombe. Elle reste bloquée là-haut. Euh, communication euh, zéro, zéro. Ouais, pas de à réseau cause, à cause de la lanterne justement à cause euh, de la tour radio quoi pas, pas de réseau là haut ah. elles sont là bloquées avec euh, tous euh, les inconvénients que cela peut poser le froid euh, la le pluie, froid la le pluie la météo et même et même euh... Les corbeaux, les oiseaux, etc. quoi. Donc euh, un eh film donc euh, un comme je te le disais donc un, un film de survie. Quoi. Ouais, un film un thriller euh, de survie, un film qui donne euh, le vertige. Moi personnellement, euh, euh, c'est le genre de truc que j'aime bien quoi. C'est un peu film un peu comme ça catastrophique. C'est un, un film enfin c'est un film catastrophique. C'est un film qui peut arriver vraiment. Après, oh, tu vois non moi pas. Parce oui. moi, je monte pas. Oui moi. non mais, non mais tu <laughs> vois Exactement. en, en, en fait. tant que jeune tu ça vois vrai, tu veux faire vrai, le vrai, malin. Non. allez monte monte oh, hein, non, non, pour, combien <laughs> de fois Entendu des, des, des choses pareilles au oui. journal télévisé ou, ou je, depuis. Oui, et, ou je sais pas si, si voilà. maintenant, euh, on, on coupera peut-être. Mais euh, 123 heures ça s'appelle ce non, film. Non 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 non, c'est justement un film qui est influencé par le fameux film 127 heures. Ah, 127 vous heures, rappel, voilà. avec le gars là, voilà, a qui, avec son qui, bras a qui doit le couper ah, ouais, voilà, c'était ouais. vraiment un hey, okay, 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 voilà. genre voilà. De film voilà. J'aime ai, bien ah, ce genre j'aime bien ce genre de film. Ah. Je l'ai là d'ailleurs 127 heures, je sais 127 euh, moi j'ai 123. Euh, ouais oh, ouais, il était en bah voilà, regarde-le. c'est justement on vient de présenter une édition MGM, tu l'avais. Ouais ça vient aussi C'est un peu le même style quoi. Vachement gore, je me souviens. Wow. Et ben voilà, c'est exactement la même chose. Okay. Et bon bah ben voilà, j'ai sauté dessus parce que j'aime ai, vraiment ça. Et puis bon bah ben voilà, si, si le film réaliste, euh, ouais. me surpasse, okay. ben il aura droit à un chronique movie peut-être. Ah hein bah parce que bon bah ben ça sera l'occasion de le faire découvrir à tout le monde. Mais en gros, euh, c'est une nouveauté en plus 2022. Euh... Non, c'est un film de, de 2022 qui n'a pas fait beaucoup de bruit. Et une fois encore, je suis tombé dessus dans les années laser. J'ai je vais, je vais me tenter de te bon, ouais, ouais. Et surtout, comme tu dis, si t'as aimé 127 heures. 127 heures. 127 heures, j'ai beaucoup. Si t'as aimé, aimé 127 heures, si c'est si le même style, alors on va on va plonger dedans parce ah, que c'est euh, euh, du bon. Non, mais c'est vrai ce que tu dis. Hein. Là, c'est pour l'escalade. 127 heures, c'était aussi. Hein, la... C'était aussi, mais c'était plus dans les dans les trucs rocheux, ah, donc c'était truc. Euh, euh, voilà. Allez, comme on dit, claustrophobie. Non, tu, 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 tu te rends compte que ça peut arriver. Non, mais c'est ça, c'est ça que j'essaye de dire. Il n'y a pas si longtemps que ça, les enfants tombaient dans les puits. Là, tu te souviens, <laughs> en Espagne, ça avait été terrible aussi. <laughs> C'est des avec, choses qui peuvent arriver en fait avec malheureusement l'enfant qui, qui avait perdu la vie mais bon bah, oui. voilà ce n'est pas que ce n'est pas que du cinéma de la fiction, ça, ça c'est ce pas que vraiment et bon bah, ouais. bah, voilà c'est le genre de film euh, ça, ça évitera peut-être à en ah, ah, dissuader ah, les ah, gens ah, à des, faire les, les malins comme on dit ouais, <laughs> ouais, donc, euh, voilà quoi. Donc vous voyez hein, euh, beaucoup d'achats, mais pas vraiment beaucoup de collecteurs à présenter dans notre rubrique des collecteurs à part euh, euh, quand même hein, euh, Jurassic Park est le secret de la pyramide. Jurassic Park est le secret de la pyramide et on en profitera euh, on profitera de l'occasion de ce mois-ci pour euh, vous offrir si vous êtes anciens sur la chaîne et que vous suivez vraiment vraiment bien la chaîne on vous avait parlé au mois d'août d'une nouvelle rubrique qu'on voulait ouvrir occasionnellement euh, sur la chaîne quand on pouvait quand on pouvait quand justement l'actualité des collectors euh, soit un peu light, light. ce qui euh, ce, est ce qui n'a qu pas été le cas jusqu'à maintenant ah, ouais. donc euh, là on va profiter enfin pour faire notre premier épisode de notre nouvelle rubrique les les collectors d'antan donc c'est toujours euh, sur les éditions euh, Collectors, mais euh, on plonge dans les collecteurs euh, d'époque, euh, on vous présentera, euh, comme il est un peu à l'actualité, enfin euh, même, même beaucoup pour ce mois de février, ouais. le, le collecteur qu'on qu nous avait offert euh, pour le 15e anniversaire. Je regarde en haut parce que je ne sais pas où ouais, il est là derrière, que la Fox nous avait offert. Euh, pour à l'occasion du 15e anniversaire du Titanic, donc comme le Titanic est à l'honneur, ben on va réouvrir le coffret d'ilia. Ben figure-toi déjà, on reste dix ans déjà ah, quand même. Ouf. Donc voilà. Bah, ça, 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 ça porte bien le nom alors, un hein, ouais. collecteur d'antan. Voilà, exactement. Donc euh, à ne pas manquer euh, sur euh, cette nouvelle rubrique. Hein. Ouais à ne pas manquer sur la chaîne. Gros bisous à tous et à toutes, et comme d'hab, n'oubliez hein, euh, pas de nous suivre sur euh, nos différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram, et surtout de vous abonner euh, à la chaîne, on est toujours euh, de plus en plus nombreux, ça nous fait un plaisir immense. On vous fait de très gros bisous à tous et à toutes, et on revient à très vite avec ces fameuses vidéos collector. Ciao, ciao